Il est temps de passer aux déclarations de députés. Déclaration de députés, le député de Kiwetinohk. Miigwech, Madame la Présidente. Les Anishinaabe, les Cree et l'Inuktitut, les Mi'kmaq et plusieurs langues sont en danger. Actuellement, elles sont considérées comme vulnérables par les Nations Unies. Selon la langue Anishinaabe, la gardienne de cette langue, Shirley, il faut faire plus pour cette langue sur le plan de l'éducation. Dans ses mots, elle dit, je cite, « Le système d'école résidentielle a pratiquement détruit notre langue et notre façon d'apprendre. Si nous voulons aller au-delà de ce système de pensionnat et se diriger vers la réconciliation, cette langue doit être appuyée et il faut pouvoir écrire et parler le plus cette langue. » Il faut respecter et accepter nos dialectes et s'encourager à les apprendre. Il faut apprécier notre langue Anishinaabe. Parce que nous sommes tous ici, parce que le Créateur nous a donné nos langues. Miigwech. Député d'Ottawa-Ouest, Nipion. Merci, Madame la Présidente. Au cours de la dernière séance, j'ai pris la parole pour parler des efforts de lever des fonds pour le programme des forces policières. Je suis heureux de parler du progrès des nouvelles recrutes qui sont données qui sont adoptées, les recrues à quatre pattes, en fait, les recrues canines. Et notre agent de police, Gendron, est celui qui s'en occupe. La formation de ces chiens sont données par une institution de Cambridge en Ontario qui a donné à la police de Ottawa qui a couvert la formation de ces chiots qui pourront plus tard aider les enfants atteints d'autisme, les premiers répondants qui sont atteints du syndrome de stress post-traumatique ou les anciens combattants. Chaque chien a sa propre voie vers un bel avenir. Je souhaite la meilleure des chances à cet organisme qui s'occupe de la formation des chiens policiers. Député de Toronto Centre, merci. La violence des armes à feu dans la région de Regent Park est en augmentation. J'ai été à un événement pour la paix dans ma circonscription. Seri Abraham, qui est une personnalité importante de la région, nous dit que c'est assez. On veut savoir combien de personnes devront mourir avant qu'on arrête les fusillades. Beaucoup trop de gens dans nos collectivités ont perdu la vie trop tôt, ont été affectés par la violence armes à feu. Beaucoup de jeunes qui méritaient d'être en sécurité dans leur collectivité. Plus récemment, nous avons perdu Demery, qui était un travailleur auprès des jeunes à Regent Park et dont le décès a eu un grand impact sur les gens du voisinage. Les gens se posent la question, pourquoi après que les gouvernements se soient succédés, qu'ils aient fait des promesses, pourquoi est-ce qu'on envoie encore ces fusillades? On s'inquiète des conséquences d'entendre des coups de feu à l'extérieur de leur maison, de perdre des amis, des mentors, l'impact que cela a sur les enfants de notre collectivité. Aucun enfant ne devrait vivre cette expérience, ce traumatisme. Les gouvernements doivent s'attaquer à la racine du problème. On a besoin d'investissements dans la réduction de la pauvreté, plus de ressources et de possibilités pour les jeunes, de soutien mental, de mesures anti-pauvreté. Il est temps que le gouvernement écoute et que nos collectivités agissent sur la violence par les armes à feu. Député de Mississauga, Erin Mills. Merci, Madame la Présidente. Cette semaine, j'ai parlé d'amélioration à l'infrastructure de notre province pour l'éducation.
Nous avons vu ses promesses, entre autres, dans notre ma région de Mississauga Windmills. Nous avons vu beaucoup d'investissements pour appuyer la reconstruction d'un centre commercial et d'une bibliothèque dans ma circonscription de Mississauga et Windmills. Lorsque j'ai été élue, Madame la Présidente, j'ai fait une promesse. J'ai dit que j'écouterais les inquiétudes des gens de ma circonscription et je crois. Et voilà un exemple des promesses qui sont prises. Nous voulons travailler avec nos aînés, les jeunes et tous ceux qui se trouvent dans le milieu. Ce fonds sera utilisé pour des espaces récréatifs internes et externes. C'est un investissement important qui aidera le bien-être de notre collectivité. À l'échelle de la province, notre gouvernement veut améliorer et protéger les collectivités, créer de l'emploi et aider à la croissance économique de notre province. Nous voulons travailler avec nos voisins. Nous avons un bon programme de vaccination qui aide à protéger les Ontariens et Ontariennes de la COVID pour avoir un meilleur avenir pour nos jeunes et nos aînés. Merci. Député d'Hamilton-West, Ancaster-Dundas. Madame la Présidente, lundi, dans le discours du trône, on n'a rien vu de nouveau pour aider les Ontariens. Si pour les familles des enfants atteints d'autisme, le message était clair. Ce gouvernement a sous-financé et manqué de soutien auprès des enfants atteints d'autisme, et ça continuera. On a promis d'éliminer les listes d'attente. Et maintenant, nous avons 49 000 enfants qui s'y trouvent encore sur cette liste. Stacey Kennedy a été forcée aussi de camper devant le bureau de circonscription du premier ministre pour obtenir des réponses pour son enfant qui s'appelle Sam. Dans ma circonscription, une petite fille, Zoé, fait face à une longue attente pour avoir un service. Ce gouvernement les laisse à eux-mêmes. Ils utilisent leur carte Visa plutôt que leur carte santé. Il y a aussi Nancy qui s'est battue pour ses jumeaux, qui a dû payer de sa poche un thérapeute pour un orthophoniste. Les gens n'ont plus d'espoir. Il est vraiment temps pour le gouvernement de régler le problème afin que tous ces enfants et leurs familles puissent avoir un soutien. Je demande au ministre Smith et au premier ministre Ford de laisser des milliers d'enfants de côté, de leur donner le soutien dont ils ont besoin immédiatement. Merci. Merci. Déclaration de député. Député de Guelph. Merci. J'ai déposé une motion récemment pour l'urgence climatique. On parle de problèmes que le gouvernement n'a pas mentionnés dans son discours du trône. Il faut reconnaître ces questions pour ce qu'elles sont, des urgences qui nécessitent d'agir maintenant. J'invite le gouvernement à travailler au-delà des lignes de parti pour mettre en place des politiques qui créeront une expansion du changement climatique, de limiter l'urbanisation et d'aider les terres agricoles et les terres humides qui nous protègent des inondations. Encore une fois, je demande au gouvernement d'annuler l'autoroute 413 plutôt que de bâtir une autoroute qui encouragera l'étalement urbain. Nous voulons plutôt bâtir des collectivités où on peut utiliser les transports en commun pour se rendre là où nous devons nous rendre. Il faut aussi s'attaquer à l'itinérance en finançant des projets de logement qui sont proposés, entre autres, à Guelph et dans des collectivités partout à l'échelle de la province. Monsieur le Président, c'est clair. On peut faire croître notre économie et améliorer la vie des gens. Si nous avons la volonté politique de s'attaquer à la crise d'abordabilité et à l'urgence climatique.
Merci. Déclaration député. Député de Flamborough-Glenbrook. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. J'aimerais exprimer ma fierté du gouvernement pour avoir agi de façon urgente pour fournir la couverture d'un médicament contre la fibrose cystique. C'est grâce à la réponse de notre ministre de la Santé, ce médicament sera financé par le gouvernement. Après quelques jours simplement pour régler tous les problèmes administratifs, nous nous sommes attaqués à la mise en place de cette couverture. Les familles se sont battues pour avoir accès à ce médicament, le Trifecta. On en parlait déjà avant la pandémie. Les parents de Kayla et Madison sont deux petites filles qui souffrent de fibrose cystique. Sa mère m'a écrit pour célébrer cette décision. Elle remercie la ministre d'avoir agi très rapidement pour sauver la vie de Michaela et Madison et 1500 autres personnes en Ontario qui vivent quotidiennement avec cette maladie. Ce médicament change la vie de ces deux petites filles, leur donnera un avenir, mais il vient avec une étiquette de prix très dispendieuse, 300 000 $ par année. Lorsque les parents ont vu que ce médicament avait été approuvé, ça les a même menés à pleurer de joie. Ce médicament pourra assurer une longue vie à ces deux petites filles. Merci. Déclaration député de Davenport. Merci. J'aimerais parler du nombre d'élèves en salle de classe. J'aimerais demander à ce gouvernement d'enfin agir pour nos enfants. Après 26 semaines, les écoles de l'Ontario ont été fermées, plus que tout autre territoire de compétence au cours de la dernière année. C'est parce que ce gouvernement a pris une approche où on épargnait de l'argent plutôt que d'investir pour le bien-être de nos enfants. Toutes les familles espéraient voir le gouvernement apprendre de ses leçons, mais ce n'était que de la belle pensée. À chaque jour, les familles m'ont écrit partout dans la province. Les enfants se retrouvent dans des salles de classe où il y a plus d'élèves qu'avant la pandémie et il n'y a absolument aucun espace pour se distancer. Il n'y a pas de temps pour un soutien face à face avec le professeur. On a même des salles de classe où il y a un très grand nombre d'élèves, plus élevés que d'habitude, et les parents doivent maintenant descendre dans la rue, manifester pour que l'on réduise le nombre d'élèves par salle de classe, tout particulièrement dans les zones très affectées par la COVID. Aujourd'hui, pour les parents et travailleurs de l'éducation dans la province, je demande au ministre de l'Éducation d'arrêter d'éliminer le financement pour nos écoles, de diminuer le nombre d'élèves par salle de classe et d'investir dans la sécurité de nos enfants. Déclaration de député. Député d'Oakville Nord, Burlington. Je suis heureuse de mentionner le 61e anniversaire de l'indépendance de la République de Chypre. Les gens du Chypre ont travaillé de façon acharnée pour bâtir l'économie de leur pays et ils ont vu leur économie fleurir. C'est un pays qui est membre de l'Union européenne, qui travaille avec d'autres pays pour la paix et la prospérité à l'échelle du continent. Et pourtant, le Chypre est encore divisé. Le Nord est organisé en État indépendant qui n'est reconnu que par la Turquie. J'ai eu l'occasion de visiter le Chypre avant la pandémie et j'ai vu la division du pays. Et j'ai aussi vu comment les gens dans cette nation indépendante espèrent voir leur île être réunie. En honneur des gardiens de la paix qui se sont battus pour la paix au Chypre et les 29 qui ont perdu leur vie, le Chypre fait partie du Commonwealth et a établi sa haute commission au Canada sous la docteure Vassili Philippou. Les gens d'origine du Chypre continuent d'aider à notre prospérité. La Fédération Chypre du Canada est un chef de file dans la collectivité. Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui ont passé par ce milieu.
Et je suis heureuse que nous appuyions le multiculturalisme aux Chypriotes qui sont ici au Canada. Nous sommes avec vous et honorons cet anniversaire pour un Chypre qui sera toujours libre et indépendant. Merci. Member statements, the member for Scarborough Agent Court. Merci, Monsieur le Président. Scarborough and left behind. Pendant très longtemps, due to the hard work and the commitment of the government's Scarborough caucus members, grâce à l'engagement des membres de Scarborough, députés ici dans l'enceinte, Scarborough reçoit enfin l'attention qu'elle mérite. Notre gouvernement veut absolument améliorer la qualité de vie de nos résidents. Le 28 juillet dernier, je me suis joint à mes collègues de Scarborough à Agincourt dans un hôpital pour annoncer 26 millions de dollars d'investissement dans le cadre du fonds offert par le gouvernement. Ceci s'ajoute aux centaines de millions de dollars offerts dans le cadre de l'infrastructure hospitalière. Nous allons pouvoir ainsi améliorer les soins de qualité pour les résidents. Ma priorité, c'est les résidents de ma circonscription. Le gouvernement fera tout ce qu'il peut afin d'offrir les meilleurs soins de santé aux résidents de l'Ontario. 11 000 pieds carrés de l'hôpital Birchmont seront rénovés. 14 000 pieds carrés seront ajoutés. Ceci constitue un engagement de la part de notre gouvernement. L'immeuble de Bridletown sera également rénové. Ceci prouve à quel point je suis là pour renverser la vapeur en ce qui concerne Scarborough. Je suis heureux d'avoir annoncé des financements pour la récupération par rapport à la COVID-19. Enfin, Monsieur le Président, nous pouvons voir de meilleurs jours pour les résidents de Scarborough. Merci. Merci. C'est tout pour la déclaration des députés. La chef de l'opposition, merci. Aujourd'hui, je demande un consentement unanime d'observation d'une minute de silence pour les 105 milliers d'Ontariens décédés de la pandémie. Consentement demandé par la chef de l'opposition. Une minute de silence pour les morts de la COVID-19 depuis que nous avons commémoré les décès en juin dernier. S'il vous plaît, levez-vous et observez la minute de silence. Thank you very much. Members, please take their seats. Merci. Vous pouvez vous rasseoir.